J'ai une étrange impression. Pardon ? J'ai dit, j'ai une étrange impression. Oui, j'ai entendu, mais pourquoi dites-vous ça ? Ils ont l'air de bien se porter. Je ne parlais pas pour eux. Non. Sensation étrange. La même que cet enfant et sa famille. Dans une cave, Kosovo, comme si c'était hier. Cet enfant m'avait donné la main. Dehors, les obus tirés par des factions serbes, croates, tout était confus. La seule chose claire, les balles perdues, c'était toujours pour nous. Ce soir-là, cette cave, cette famille musulmane terrorisée, ils avaient la certitude qu'ils allaient être massacrés. Nous avions ordre d'évacuer la place. Étions bloqués. Les tirs de mortier. Et cet enfant qui me serrait la main et me fixait les yeux grands ouverts. Et cette femme qui pleurait en silence en serrant son bébé dans les bras. Et cet homme, impuissant à protéger les siens, qui n'osait pas me regarder. C'est la même impression que j'ai ce soir. Étrange. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Je ne me rappelle pas de ce qui s'est passé ensuite. Je me souviens du regard de ce bébé qui regardait sa mère sans vraiment savoir ce qui se passait. Je me souviens de ce sentiment de culpabilité. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Ce que je sais, c'est qu'à ce moment, j'ai compris que dans toutes les guerres, dans tous les conflits, les perdants, ce sont toujours les enfants.